دونك افيك نو بالعمري مانيفيك ماتش بالفعل. الحمد لله يا ربي لعبنا كامل مليح ماشي غير بالعمري ولا واحد اخر. استهلينا لا فيكتوار لا بروف اكسيون ما داروها لعبنا خير منهم وربحنا والحمد لله كيف فرحنا بيبليك هذا اللي عاوننا ثاني اليوم ان شاء الله يبقاو هكا ان شاء الله نزيدو نفرحوهم اكثر واكثر ان شاء الله. ان شاء الله سافا يطرا بريزاج دوتر سيكسي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بيسك الماتش الجاي عندنا ماتش ديربي كونتر سي ار بي ثاني ويكلو نقدروا نديروا حاجه ان شاء الله ونزيدوا نكملوا ان شاء الله هكا. La première chose que je vais dire, je vais remercier Dieu de nous avoir donné le courage d'avoir tenu pendant ces périodes très difficiles. Et le deuxième que je vais remercier, c'est les joueurs, avec tout ce qu'ils ont vécu depuis quelques temps. Ils ont montré réellement leur talent et on savait qu'il fallait passer par un match comme aujourd'hui. C'était le prix à payer, il fallait remonter les marches un par un. Et le SMA pour nous était le match idéal, dont une des équipes favorites qui joue très très bien au ballon. Aujourd'hui, on a vu un très très beau match. On a vu surtout un très très bon arbitrage, et ça je tiens à le dire, parce que des fois on tire. Et franchement, j'étais impressionné de l'arbitrage d'un match aussi difficile. Maintenant, les joueurs, je leur tiens encore mon chapeau. C'est leur victoire à eux, elle ne doit rien à personne. Elle le doit à leur travail, à leur sérieux et à leur progression. On l'avait dit depuis quelques temps que la GSK allait revenir. Et bien, aujourd'hui, la GSK est revenue. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est le public là, qui a vraiment été là. Et qui a été pour une part prépondérante dans la victoire. Nassal Sanjar, c'était la victoire du cœur, mais vous avez parvenu à allier l'art et la manière aujourd'hui. Oui, je ne sais pas s'il y avait la manière ou l'art. Je pense surtout qu'on a été très efficace, qu'on a été très costaud. En première mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions. Je suis hyper content que Belkalem marque son deuxième but là. Il montre réellement son potentiel. C'est le premier, c'est un combattant, c'est un guerrier. Et j'espère pour que l'équipe nationale il va récupérer un garçon bien dans sa tête. Que deux buts en deux matchs, ça n'arrive pas tous les jours. J'espère qu'il va faire la même chose en équipe nationale. Mais bon, moi je connaissais très bien le potentiel des joueurs. Le problème, c'est qu'on n'avait pas droit à l'erreur depuis quelques temps. On m'a parlé d'une équipe à JSK qui était un petit peu moribonde. Je ne sais pas ce qu'on m'a raconté. Simplement, elle sait gérer ses matchs. Et là, aujourd'hui, elle l'a montré. Elle a su marquer. Elle a su surtout contenir cette équipe du SMA qui a quand même un potentiel offensif énorme. Vous avez été offensif en première mi-temps, en deuxième beaucoup moins. Est-ce un choix tactique? Vous avez joué quelque peu un cran derrière? C'est pas un choix tactique, c'est les réflexes que nous on a dans le football. On le connaît bien, ça. On l'a vécu beaucoup de temps en Europe. En Algérie, on est encore à ces phases-là où les joueurs, sur le résultat, sont un petit peu frileux, n'osent plus, restent derrière, ne jouent plus. C'est pas bien. Il faut continuer à défendre en avançant ce qu'on aurait dû faire. Et bon, ils ont fait le travail qu'il fallait. Pour montrer que l'histoire de Béjaïa, il y a 4 jours avant, c'était une erreur de parcours pour nous, parce qu'on a mené 2-1, on aurait dû faire ce match-là en deuxième mi-temps. Mais bon, c'est peut-être aussi grâce à ce nul-là qu'aujourd'hui, grâce à ce qui s'est passé en deuxième mi-temps à Béjaïa, que les joueurs ont su répondre. Parce qu'à la mi-temps du match de Béjaïa, on a vu des joueurs très euphoriques. Là, à la mi-temps, j'ai vu des garçons très, très, très concentrés. Il n'y avait pas un bruit dans le vestiaire, c'était impressionnant. C'est pour vous dire à quel point les garçons ont envie d'apprendre et ils progressent. Moi, je ne suis pas étonné de voir les comportements du jeu, même si l'enjeu était important aujourd'hui. Vous avez subi une grosse pression en deuxième mi-temps, vous n'avez pas douté du tout? Non, pas du tout. Moi, quand je vois mon axe central, Riyad Belkalem, c'est quand même du très très haut niveau, hein. C'est du très très costaud. Hein. Je sais pas, les gens l'ont vu, ben, ils l'ont vu aujourd'hui, vous allez le voir encore. Et autour, on a vu des garçons très animés, et surtout Malossi qui est rentré, qui nous a apporté sa vitesse qu'on avait besoin. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire qu'ils ont fait un match très sérieux, très réfléchi, très très bien organisé. Ils ont bien réfléchi dans le jeu et dans le match, à l'intérieur du match. C'est surtout là que je vois que l'équipe a progressé. Dernière question très difficile de gérer le banc de touche de la JSK après l'affaire Maïza, Balraval qui quitte le terrain aujourd'hui. Véritablement un geste condamnable. Je sais pas, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais j'apprends, hein, je suis comme tout le monde, hein, on a profité d'apprendre. Et voir des garçons qui s'en vont comme ça en plein match et tout. Ça s'appelle. Faut un psychologue, un psychiatre pour qu'il traite ça. Moi, je peux pas traiter ces genres de comportements comme ça dans un match. Et c'est un truc de fou. Mais bon, à ce qui paraît, ça existe. Mais bon, j'espère que le club, ben, c'est ce qu'il a à faire derrière. Vous allez sévir? À moi, personnellement, vous allez voir. Ouais. Ça, c'est clair. C'est clair. On verra ça gentiment là. Justement, on est dans la fête. Quelques heures avant ce match, il y a un Axial qui a décidé de claquer la porte. Apparemment, il aurait exigé d'être dans 11. Tu sais, moi je vais pas parler, moi je vais parler de mes joueurs qui m'ont fait un grand match, qui m'ont fait gagner, le reste ça m'intéresse même pas. Moi aujourd'hui, le garçon a pris ses dispositions, c'est les siennes, il assume ses choix et ils sont respectables. Moi je m'occupe pas d'eux, moi je m'occupe de mes 18 joueurs qui étaient là, qui ont gagné un match très important contre une très belle équipe de l'USMA.
qui venait de battre Sétif il y a quelques jours, qui était sur l'euphorie, et on l'a gagné, j'allais pas dire de la manière, on l'a gagné mentalement, physiquement, et on a montré que la JSK, on l'avait dit depuis quelques temps, allait revenir, et aujourd'hui on l'a vu, et on a vu le public revenir, c'est surtout ça qu'on a gagné. Voilà le travail que je leur avais dit depuis 3 mois, le jour que le stade sera plein, c'est qu'on aura gagné. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu, je dis voilà, il n'est pas encore complètement plein, mais on va faire en sorte qu'il soit plein à craquer. Ça va permettre, cette victoire va permettre à l'équipe de se préparer sereinement pour puisque vous avez une période de trêve pour la prochaine sortie. 15 jours. Nous, on va continuer à travailler comme on fait, humble et modeste, comme on l'a fait depuis le départ. On travaille, on parle beaucoup avec les joueurs, on discute, on a de la qualité, on sait. Aujourd'hui, on a des certitudes maintenant. Ce qui est sûr, c'est qu'on est un peu plus sûr de ce qu'on fait. Et là, sur le match qu'on a produit aujourd'hui, eh bien, on a montré réellement que même avec la pression, même en menant au score chez nous, on n'a pas été petits bras, on a été costauds, parce que les garçons le sont. Ils croient en eux, ils croient au groupe, ils croient en ce qu'ils font. Et bien aujourd'hui, ça va peut-être n'importe qui devant nous. Aujourd'hui, je crois qu'on aurait gagné. Hein. Pas de soucis. Monsieur Saint-Germain, vous croyez ou pas que le match a été le fruit d'une grande abnégation et d'une grande bravoure de la part des joueurs, mais tactiquement et techniquement, on était supérieurs. Moi, je crois que l'équipe a surtout bien joué. Elle a surtout fait ce qu'elle est capable de faire. Elle n'a pas été au-dessus de ce qu'elle était capable de faire. Elle a été très présente dans les duels, elle a été très présente sur l'USMA, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de grands joueurs à l'USMA qui sont capables de faire la différence. Et là, surtout, moi, j'ai envie de se retrouver, elle a bien réfléchi dans le jeu à l'intérieur du match. Et elle n'a pas fait d'erreur, elle n'a fait pratiquement aucune erreur. Donc ça veut dire qu'on a des certitudes maintenant. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire des choses un peu plus grandes, on peut monter d'une marche en plus dans le jeu. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est ce qu'il fallait faire, on ne peut pas faire plus. Une autre question, s'il vous plaît, ne croyez-vous pas que le cas Maïza et Bernarda, comme ça vient de se passer aujourd'hui, ne viendrait pas nuire à la stabilité du groupe? Non, ça se passe dans tout le football algérien. J'ai entendu que John Ménade a eu la même histoire. Tous les entraîneurs ont eu ça, et personne ne parle de Maïza, mais il faudrait qu'on se rende compte ce qui s'est passé, Maïza, l'USMA. Moi, je sais ce qui s'est passé, et personne n'en parle. C'est pas que de là. Maintenant, si les joueurs deviennent des gens qui imposent à l'entraîneur, ben, on pose les clés, on lui donne de faire l'équipe, et il vient faire l'équipe. C'est son choix. Mais maintenant, si c'est comme ça en Algérie, je découvre. Hein. Et c'est marrant qu'un joueur demande à jouer. Ben moi aussi, j'ai envie de jouer. Hein. Ben moi aussi, ancien joueur, j'ai envie de jouer, de voir le match comme ça, j'ai envie de rentrer. Je vois le public, j'ai envie de prendre le ballon et rentrer. Mais bon, je peux pas, je peux plus du moins. C'est clair. 8 matchs avant la fin de la saison, quels sont réellement les objectifs de la GSK? Déjà, l'objectif, c'est déjà sortir, assurer le maintien. Même si les gens n'y croient pas trop. Mais moi, j'étais venu pour ça à la base. Hein. J'ai quand même récupéré une équipe qui était dans un état plus que lamentable. On a reconstruit. Maintenant qu'on a des objectifs qui montent, ben on va voir un petit peu si on est capable, comme j'ai dit, d'aller fricoter un peu avec l'autre tableau. Là, on a un bon match. On a un très gros match à CRB. Après, on a un gros match contre Constantine. CSC après. Attends, donc, ça veut dire qu'on a encore 3 matchs où là, je pense que ça pourrait réellement définir nos objectifs. Est-ce qu'on peut aller là-haut? Moi, je pense qu'on est capable d'aller... aller un petit peu taquiner un peu. Parce qu'ils dorment là-haut, t'as vu, c'est toujours les mêmes. Donc on arrive par derrière, on va leur dire qu'on est là aussi. Mais tel que c'est parti, c'est de bon augure. J'espère. Il faut voir la capacité à répéter. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de voir si on est capable de répéter ces genres de matchs. Parce qu'après, faire un bon match, très grand match, on peut le faire. Tout le monde peut le faire. Après, si on est capable d'en faire 2, 3, 4, 5, là, ça montrera réellement que tu peux finir dans les 3 premiers ou 4 premiers. Après, on verra ça gentiment. S'il y a des sorties sur blessure, je ne sais pas. Non, il a pris une belle semelle sur le genou. Rien de grave. Mais vous avez Roland qui est un maître. Moi, je vais prendre des leçons parce que ça fait des années que je l'écoute à la radio. Je prends des leçons. J'apprends et c'est un grand plaisir. Bon. C'est un grand. C'est plus bavard. Vous êtes un grand. Merci, je suis en train d'expliquer. J'ai 3 mois de galère derrière. Bon, je vous laisse, Roland, parce que je vais essayer de finir. Et bravo. Oui, oui. Hein, on peut dire que la JSK était plus forte tactiquement aujourd'hui. Tactiquement? Bon, je sais pas. Je pense que, bon, on fait dans l'ensemble pas un mauvais match. Pas suffisamment bon pour le gagner. La preuve, c'est que nous l'avons perdu. J'ai trouvé une bonne équipe de la JSK. Et le match que fait la JSK ce soir, ça ne peut être fait que par... de bons joueurs entraînés par un bon entraîneur. Le match d'il y a 4 jours a été peut-être plus pénible pour nous à jouer que celui qui a pu jouer la JSK, et notamment les 30 dernières minutes à 10 contre 11 nous a fait quand même déployer beaucoup d'énergie. Je ne cherche pas évidemment des excuses, je n'en cherche jamais, j'essaye de trouver des explications. Un but à la 46e minute, ce n'est pas nouveau sur un plan psychologique pour la rentrée.
au vestiaire, ben c'est très bien pour l'équipe qui le marque, mais c'est beaucoup moins bien pour celle qui l'encaisse, qui plus est, sur un corner qui est venu d'une faute qui aurait pu être évitée, que j'ai trouvé ça un petit peu stupide. Mais si je dois analyser un petit peu nos derniers déplacements, par rapport aux matchs que nous faisons à Bordeaux, que j'avais trouvé très moyen, contre une équipe de Bordeaux moyenne, nous sommes, je pense, en amélioration maintenant et en progrès. Maintenant, ça n'a pas suffi, mais après un match, j'ai l'obligation professionnelle de regarder ce qui n'a pas été bon, mais aussi de constater ce qui n'a pas été mauvais, et tout n'a pas été mauvais, je dirais même bien au contraire. Vous me tendez la perche justement, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas été résolu? Je crois que bon, déjà on fait des fautes sur le plan défensif qui sont évitables, regrettables. Alors c'est vrai que ça vient d'une certaine impatience de récupérer le ballon, et nous jouons nos coups sur le plan offensif en réfléchissant un peu trop, en perdant trop de temps et en n'étant pas assez spontané. Après, il y a aussi certains joueurs qui ont eu du mal à faire deux matchs en quatre jours, qui manquent un petit peu de compétition aussi. Maintenant, on va récupérer. On connaît notre calendrier. On sait très bien que nous avons encore deux matchs en quatre jours à jouer, cette fois contre la même équipe, à savoir Arrache, et sans vouloir mettre ni se mettre la pression, on est tout simplement conscient que nous jouons notre saison pratiquement sur ces deux matchs en quatre jours. Mais bon, on va se préparer pour être des adversaires très coriaces pour cette bonne équipe d'Arrache. Monsieur Courbis, vous avez fait preuve de beaucoup plus d'ambition offensive en deuxième mi-temps. Vous auriez peut-être faire la même chose en première période. Ça a bien donné, non? Oui, mais vous savez, si vous confondez, si vous mélangez la première période avec la deuxième période, c'est quand un joueur rentre aussi à 30 minutes de la fin, on me dit il a été bon, il aurait fallu le faire jouer d'entrée. Et je réponds modestement, peut-être, mais peut-être que s'il joue d'entrée, il ne fait pas les 30 dernières minutes de la même façon, par exemple. C'est quand même dommage que vous soyez freiné, le Harach a perdu, qu'il y aurait peut-être un peu plus de prétention pour le podium, non? Oui, mais bon, ce que je peux vous avouer, ce n'est pas une confidence, c'est une information, c'est que nous ne sommes pas venus pour perdre. Nous sommes venus quatre jours après avoir déployé beaucoup d'énergie contre une équipe de Sétif. Nous avons joué, je le répète, 30 dernières minutes à 10 contre 11 en déployant beaucoup d'énergie. Et nous rencontrons aujourd'hui une équipe qui fait un bon match. Et comme je dis, pour faire le match que fait la JSK aujourd'hui, je les salue et je les félicite. Il faut avoir deux bons joueurs, un bon entraîneur et un bon staff. Ça ne se fait pas comme ça par hasard. Très bien. Certains des observateurs disent que l'USMA voyage plutôt mal cette année. Ah, mais ça, ce sont des observateurs, vous appelez ça? Non, j'appelle ça des génies. Donc pour arriver à voir que nous sommes meilleurs à domicile qu'à l'extérieur sur ces derniers résultats, sincèrement, je suis content que vous m'ayez posé cette question, parce que là, je trouve ça génial. Autre chose aussi que je vous signale à tous, et qui plus est après une défaite, je félicite l'arbitrage et les arbitres de ce match-là. C'était un match pas facile à arbitrer, puisque c'était un match quand même important pour les deux équipes. Et là, depuis que je suis en Algérie, je trouve certains arbitrages un petit peu bizarres, voire même des fois pas très bons. Là, aujourd'hui, j'ai vu un bon arbitre. Je ne peux même pas prendre l'excuse d'un mauvais arbitrage dans notre défaite. On vous remercie, coach. Oui. Voilà un derby qui a tenu toutes ses promesses. Un derby algérois ou Kabyle? Un derby, une affiche, une grande affiche, voilà, du championnat. Une grande affiche, ça reste vrai. Un derby quand même. Alger et Tizi Ouzou restent des villes. Bon, un derby, je dirais beaucoup plus Kabyle. Entre Béja et tout, on a fait un bon match là-bas. Après, aussi. Voilà,
on a gagné 2-1 et en deuxième mi-temps on a essayé de préserver le score. Voilà, malheureusement on n'a pas pu préserver le score. Voilà, on s'est contenté d'un match nul là-bas et là on a essayé de faire un grand match avec l'USMA qui est venu ici pour... C'était pas facile. C'était pas facile. Voilà, c'était dès le début on savait que ça va être un match difficile. Mais alhamdoulilah, on a pu gérer la rencontre. On a marqué un but qui nous a libéré un petit peu. En deuxième mi-temps, on a essayé de préserver le score. On a bien réussi déjà. Voilà. La JSK qui fait un match parfait tactiquement parlant. Tactiquement, c'est beaucoup plus en deuxième mi-temps. Parce qu'on a, c'était difficile de mettre déjà le but. Et donc la deuxième mi-temps, vous êtes contenté à défendre le but marqué? C'est pas ça. C'est beaucoup plus de bloquer les contre-attaques de l'adversaire. Voilà, et après... On s'est bien débrouillé en défense. On connaît tous le Saïd Belkalem, défenseur coriace, solide. Mais là, on découvre Saïd Belkalem, buteur aussi, 2 buts en 2 matchs. Ouais, ça fait toujours plaisir de participer, c'est vrai. Déjà, en tant que défenseur, notre objectif, c'est de garder, de défendre déjà les bois et tout. Et de faire attention au jeu de l'adversaire. Voilà, pourquoi pas de participer à la victoire du moment qu'on est, à la disposition de l'équipe. Voilà, on est content. La victoire de l'USMA aujourd'hui, elle est de bon augure quant à une autre série de bons résultats. Voilà, on a fait de bons matchs ces derniers temps. On va essayer de continuer sur cette lancée. Et avec des bons résultats, Inch'Allah, on va enchaîner avec des bons matchs et des bons résultats. Merci Saïd. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça. Avec nous, Hussein Arfi, d'abord, bienvenue à la maison. Merci. Bienvenue à la maison. Le match d'aujourd'hui, quelles sont vos impressions sur le match? Le match d'aujourd'hui, comme je disais, c'est un match très important pour nous. Nous sommes les joueurs de l'Etihad Al-Asima et nous essayons le maximum pour nous faire une نتيجة إيجابية. مالوريزمون كيما يقول لك الشبيبه كانوا كيما يقول لك بلو موتيفي علينا. نظن الهدف اللي تلقيناه في المرحله الاولى اثر علينا نوعا كيما يقول لك معنويا. يسينا دوزيامي طون باش نعاودوا راترابيو، مي مالوريزمون الريزلت خلاص 1-0. كيس كي مونكي على اليوسما اجوردي؟ تقدر تقول الحظ اللي كيما يقول لك لعب دور اليوم دور كبير. شفت كيفاش جياسكا بار الهدف اللي سجلوا علينا ما كانوش كاينين لي زوكازيون بزاف. لا بروف جات اوكازيون ماركاوها. نظن كيما يقول لك دي ماتش كيما هادو تسمى يتلعب على لي بتي ديتاي يا خويا. كيما يقول لك مبروك عليهم. ابخي لو غوتور دو لا بليزيور سافا ميو سافا الحمد لله. زوفي ريكوبيري فيزيكمون الحمد لله بيان تخونكو. اون اسبير كو فوزالي ريكوبيري توت فو كاباسيتي اي توت فوتر تالون كو لو بوبليك اي لا جي اس كا كوني امبلومون. اون فو رميرسي. ميرسي بوكو سي جونتي ميرسي.